Et bonjour. Donc, avant de vous montrer la vidéo, je vais vous faire un petit témoignage. Donc, je me trouve au Vallon des Offs, à Marseille. Donc, c'est un petit coin tranquille qui est connu par certains Marseillais. Et quand j'étais plus jeune, je venais ici. Donc, comme je ne savais pas nager, ma mère nous autorisait avec mon grand frère donc, de venir ici. Et on se baignait dans le petit bassin. Voilà, donc et on pêchait, je pêchais aussi à l'époque. J'avais quoi, 7, 8 ans. Mais à l'époque, on pouvait se déplacer comme ça. Hein. C'était pas, comment me dire, on était en sécurité. C'était pas comme maintenant. Quelques années après, donc je devais avoir dans les 18 ans à peu près, j'étais venue avec un copain. Parce que dans ma vie, donc malheureusement, j'ai toujours rencontré je dirais, des médiums, des gens qui font de la magie, de la sorcellerie. On m'a toujours mis des gens comme ça. Et même si j'essayais de les éviter, parce que c'était pas ce que comment dire? C'était pas ce que je voulais. J'arrivais pas à rencontrer des gens, enfin, lumière, on va dire. Et cette personne-là avec qui j'étais ce soir-là faisait beaucoup de magie. Beaucoup de magie, malheureusement. Donc, et je savais pas quoi faire, si je devais m'éloigner de cette personne-là ou pas. Donc je viens ici un soir, on était au mois d'août, donc il faisait beau, c'était je crois, le 14 août, non, le 15 août, c'était le 15 août. Donc on vient ici, on passe la soirée là, on discute et tout. Et je demande un signe à Marie. Juste après avoir demandé ce signe, c'est-à-dire ce signe, c'était pour savoir si je restais avec cette personne ou pas, s'il était pour moi. Voilà, si c'était l'homme de ma vie, en fait. Voilà, je précise. À ce moment-là, il se met à pleuvoir, des grosses gouttes, et ça tombe, et il faisait chaud quand même. C'était l'été. Et donc, je pose la question dans ma tête, et d'un coup, il y a eu la foudre. La foudre est arrivée à côté de moi, là où je me trouve d'ailleurs, là. Ça a tapé par terre. On s'est levé comme des fous et on est parti. Et ma réponse, je l'avais. Donc hier, j'avais envie je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de retourner sur les lieux de mon enfance. Et donc, je viens avec mes enfants pour leur montrer un peu où j'étais, où j'allais. Je leur ai montré l'école, la maternelle, le primaire. Voilà, il y a un lieu. Une maison où on habitait quand j'étais petite, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, une villa, en fait, une maison de ville, si vous préférez. Et voilà, je voulais leur montrer, voilà, des souvenirs, parce que deux connaissent ce quartier, parce que j'y suis née, et après j'ai déménagé à l'autre bout pour avoir la tranquillité. Donc on vient là, voilà, tranquille, j'étais contente, je prenais un peu le soleil, j'étais assise. Et j'étais attirée naturellement par, on va dire, par ce petit cabanon, parce que c'est un cabanon. Je le sentais néfaste. Et à l'époque, je me souviens, il me semble qu'il y avait des plongeurs là. Je me rappelle qu'il y avait des habits de plongée. Voilà. Et je ne sais pas si je ne me rappelle plus, s'ils en ont fait une petite buvette. Bref. Donc je regarde, puis je décide de filmer. Et je vois, je me sentais mal ici, là, sur cette. Là. Sur ce mur-là, là, il y a un petit mur là, je sentais du négatif. Donc je filme et je vois passer une ombre noire. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre, peut-être que c'est un oiseau qui passe, hein, ça peut arriver. Mais non, quand j'ai une peur comme ça, quand il y a une entité, donc je filme, je visionne aujourd'hui ma vidéo, je la mets au ralenti parce que j'aime bien visionner mon travail. Et je m'aperçois en fait qu'il y a deux entités. Donc ici, sur le petit là, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc
Je vous montre un peu parce que c'est pas évident. Voilà. Alors le petit là, le carré là, ici là, ça c'est un homme. Je ne le connais pas du tout. Et à côté, je me pousse, c'est une femme. Voilà. Il y a le visage. Mais ils ne sont pas seuls. Je n'ai pas voulu bousiller la photo parce qu'il y a d'autres entités dans la même photo, dans le même encadrement. Voilà. Donc je vous expliquais la photo. Voici la vidéo. Bon visionnage. Cherche à descendre.